Voilà, coucou. Hop, j'enlève mon pull. Voilà. Non, attends, je vais, hop. Je fais un petit changement de t-shirt. Voilà. On va mettre, hop, tant pis, hop, on va mettre, hop, comme c'est de l'actu, évidemment, hop, un t-shirt un peu plus sportif. Voilà. J'arrive. Ah, me voilà. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Un t-shirt blanc. Pour parler de la France, le t-shirt de la France olympique, évidemment, les Jeux olympiques, c'est dans à peu près un mois. Et là, on va parler un tout petit peu de politique. Un tout petit peu de politique avec déjà mon gros, ma grosse bible. La grosse bible, évidemment, c'est La Montagne, le journal La Montagne. Les 100 ans de La Montagne avec ses 101. 101, sans plume, évidemment, La Montagne. Le journal Auvergnat, évidemment, que tout le monde connaît, le grand quotidien d'information. On va parler, évidemment, de quelle année, parmi ces 100 années, j'ai sélectionné pour vous le bonheur des années Pompidou. On parle, évidemment, de 1960. Le deuxième tour des élections, évidemment, le lundi 16 juin 1969. Voilà, Georges Pompidou, élu président de la République, avec 57,78% des suffrages contre 42,22% à M. Alain Poher, avec une abstention à l'époque, dans les années 60, abstention à 30,99%, évidemment, avec les consignes du Parti communiste, n'ont donc été que partiellement suivi. Voilà. Voilà, donc j'ai bien sûr en face de moi, bien sûr, la une du journal La Montagne de l'époque. Évidemment, marquée par le choc de mai 68, Georges Pompidou ressentait que les années 60 étaient la fin d'une époque et qu'il fallait en préparer une autre. Ça c'est sûr. Donc on reviendra sur Georges Pompidou, sur son élection en 69, pour tout d'abord vous poser quelques petites questions. Est-ce que j'ai les réponses à ces questions? Non, pas forcément. Ils sont à la fin. Quelques questions sur l'Europe, tiens. On va revenir sur les élections européennes, voilà. On va parler du passé. Évidemment, quelques petites questions. Questions générales, évidemment, sur l'Union européenne. Quel est le nombre de pays membres de l'Union européenne en 2023? 12, 32 ou 27? Ok. Deuxième question. Quel est l'actuel président du Parlement européen, l'organe législatif de l'Union européenne? Est-ce que c'est Roberta Metsola, Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen? Troisième question, quel est l'objectif principal de l'Union européenne? Est-ce que c'est promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses citoyens? Gagner des guerres ou contrôler l'économie mondiale? Quatrième question, quel est le symbole de l'Union européenne qui est composé d'étoiles sur fond bleu? Est-ce que c'est l'Arc de Triomphe, la Tour de Pise ou le drapeau européen? Voilà, petite question vraiment très facile. Mais on va se demander pourquoi voter aux élections européennes. Pourquoi on a voté pour les élections européennes? Pourquoi la moitié des électeurs ont voté pour les élections européennes? Déjà, le vote, c'est un droit. Vous avez le droit de voter. Voter aux élections européennes est un droit fondamental qui permet à chaque citoyen européen de participer au fonctionnement de l'Union européenne. Voter, c'est choisir l'Europe que l'on veut.
Les élections européennes offrent aux citoyens l'occasion de désigner directement les représentants qui agiront en leur nom pendant 5 ans. En votant, chaque citoyen pèse sur la ligne politique qu'il souhaite donner à l'Union européenne. Avec un taux de participation faible de 50,12%, donc à quelques virgules près, c'est à peu près le même taux de participation, le même taux que cette année. En sachant que la France est dans la moyenne européenne, bien sûr, un électeur sur deux n'est pas allé voter en 2019, évidemment. Ils ont fait presque pratiquement la même chose en 2024. Et les textes votés au niveau européen deviennent des actes législatifs qui ont un impact dans la vie quotidienne des citoyens et de tous les États membres. Quelle que soit notre situation, nous sommes tous concernés. Ne sous-estimez pas l'importance de votre choix. C'est vrai que là, on a bien fait le choix. Donc, on revient à notre petit quiz. Évidemment, je vous donne donc évidemment les quatre réponses. Vous le savez, l'Union européenne, c'est 27 pays. L'actuelle présidente du Parlement européen, c'est Ursula von der Leyen. L'objectif principal de l'Union européenne, c'est promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses citoyens. Et le symbole, bien sûr, c'est le drapeau européen avec, bien sûr, les étoiles sur fond bleu. Alors, est-ce que j'ai une autre série de questions? Voilà, on va faire des questions, des infos. Des infos, des questions, des questions, des infos. Les questions, alors cette fois-ci, c'est des vrais ou faux. Cette fois-ci, j'en ai sept questions, vraies ou faux. Connais-tu l'Union européenne? Réponds aux questions suivantes par vrai ou par faux. Première affirmation. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, en France, en Alsace, ouais, dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, en France. 2. Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans. Vrai ou faux? 3. Tous les pays européens participent aux élections européennes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? 4. Chaque pays membre de l'Union européenne a le même nombre de députés au Parlement européen. Vrai ou faux? 5. L'euro est la monnaie officielle de tous les pays membres de l'Union européenne. Vrai ou faux? 6. Le vote aux élections européennes est obligatoire dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et 7. Les citoyens européens peuvent voter aux élections européennes à partir de l'âge de 15 ans. Avant de vous donner bien sûr toutes ces réponses à ces vrais ou faux, après vous avoir dit pourquoi on vote, maintenant on peut vous dire ceux qui ont le droit de voter. Qui peut voter les élections européennes? C'est bien ça. Je fais du ping et du pong entre le petit livret des jeux sur l'Union européenne et des informations essentielles sur les élections européennes, sur le fonctionnement de cette assemblée. Conditions à remplir pour être un électeur des élections européennes. Être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin. Être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin. Être de nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne résident en France. Jouir de son droit de vote en France et dans son État d'origine. Être inscrit sur les listes électorales d'une commune avant, par exemple, c'était évidemment avant le 1er mai sur Internet et le 3 mai par courrier ou en mairie.
Voilà, donc évidemment, vous le savez, si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, si vous êtes français, attends, je répète bien, si vous êtes français et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous vous êtes inscrit automatiquement sur les listes électorales. Sinon, vous devez demander à votre mairie actuelle de vous inscrire là où vous habitez. Voilà. Et la procuration, c'est tout simple. Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez demander à un électeur de voter à votre place dans votre bureau de vote. Voilà. Plus d'infos, bien sûr, vous cherchez ça sur https://www.service-public.fr/particulier/vaudroy/M47. Voilà pour savoir qui peut voter. Revenons à nos vrais ou faux. Info, je, info. Je. Vrai ou faux. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg. C'est vrai. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, en France, où se tient l'ensemble des séances mensuelles. Nous, on a notre petite séquence, on a notre petite séance de questions au gouvernement de façon hebdomadaire. Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans. Ça aussi, c'est vrai, bien sûr. Depuis 1979. Voilà. Tous les pays européens participent aux élections européennes. Est-ce que tous les pays européens participent aux élections européennes? Non. C'est seulement les pays membres de l'Union européenne qui participent aux élections européennes. Alors si je comprends bien, évidemment, les Anglais, je crois que normalement les Anglais ne sont pas payés parce que, ils n'ont pas voté. Les Anglais n'ont pas voté parce qu'ils ont quitté l'Union européenne avec le fameux Brexit. Ensuite, c'était quoi la question? Chaque pays membre de l'Union européenne a le même nombre de députés au Parlement. C'est bien ça de faire l'égalité parfaite entre chaque État, avoir le même nombre de députés. Est-ce que chaque membre de l'Union européenne a le même nombre de députés? Eh bien, c'est faux. Chaque pays de l'Union européenne n'a pas le même nombre de députés au Parlement européen. Le nombre de députés, ça dépend de la population de chaque pays. Les pays les plus peuplés ont plus de députés que les pays les moins peuplés, pour assurer une représentation proportionnelle, bien sûr, au nombre d'habitants. Et la fameuse question, c'est quoi? C'est ah, l'euro, la monnaie. Est-ce que l'euro est la monnaie officielle de tous les pays membres de l'Union européenne? Ben, c'est faux. Non, on n'a pas tous l'euro. Bien que l'euro soit la monnaie officielle de 20 des 27 pays membres de l'Union européenne, certains pays membres, tels que la Suède ou le Danemark, n'ont pas adopté l'euro. Et donc, ils utilisent leur propre devise monétaire, évidemment. Affirmation 6. Le vote aux élections européennes est obligatoire dans tous les pays membres de l'Union européenne. Eh bien, ça aussi, c'est faux. Non. Le vote aux élections européennes n'est pas obligatoire dans tous les pays membres de l'Union européenne. Chaque pays a ses propres règles en ce qui concerne l'obligation de voter. Par exemple, eh ben, un exemple qui peut être utile pour nous, évidemment, c'est que eux, les Belges, ils sont obligés d'aller voter. Voilà. Nos voisins belges, eux, ils sont carrément obligés. C'est une règle stricte de ce royaume, bien sûr, belge. Voilà. Donc le vote est obligatoire en Belgique, mais il est facultatif. Alors là, il est facultatif dans la plupart des autres pays membres de l'Union européenne.
c'est-à-dire non obligatoire, facultatif. Et la petite dernière affirmation, la septième, les citoyens européens peuvent voter aux élections européennes à partir de 15 ans. Eh bien ça, c'est faux aussi. Dès que les deux premières affirmations qui étaient vraies, évidemment, que c'était bien à Strasbourg et que c'était bien tous les 5 ans. Alors, pour l'âge, évidemment, en général, dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, l'âge minimum pour voter aux élections européennes est de 18 ans. Évidemment, les règles peuvent varier légèrement d'un pays à l'autre, à quelques années près. Voilà. Alors, maintenant, je regarde donc la réponse à ce jeu. Ok, ça c'est facile. Tiens, à vous de réfléchir sur, on va jouer un autre petit jeu, le petit jeu des capitales. Ah, le petit jeu des capitales. À vous de me dire quelle ville est la capitale de quel pays. Voilà. La liste des villes sont Sofia, Rome, Helsinki, Riga, Copenhague, Amsterdam, Varsovie, Bucarest, Nicosie, Ljubljana, Vilnius, Athènes, Tallinn, Zagreb, Bratislava, Madrid, Vienne, Stockholm, Dublin, Prague, Berlin, Budapest, Lisbonne, Bruxelles, Luxembourg et La Valette. Donc, à vous de me dire, évidemment, bon, nous bien sûr, les Français, c'est Paris. Alors, maintenant, bien sûr, je vais vous faire la liste des villes, des pays, pardon. On a fait les villes, maintenant, on va faire les pays. Alors, on va faire, je vais essayer de tous les mettre. On va mettre Bulgarie. Ok, d'accord, si ça ne marche pas, on va mettre du simple noir. Voilà. Je réécris par-dessus. Bulgarie. Voilà. Roumanie. Les Chypriotes. Le Danemark avec le K. Ouais, ok, on va marquer évidemment les Pays-Bas. La Slovénie. La Lettonie. Alors j'en suis où? Voilà, Slovénie, la Finlande, voilà, du coup, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça va serrer. Alors, Finlande. Ok, on change de crayon. Pardon. Hop. La Grèce. J'écris mal, c'est pas grave. Allemagne, on perd pas de temps. Estonie.
l'Italie. En bas le Portugal. Alors ensuite hop ok on va faire moitié 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 on va faire moitié moitié hein. On va revenir à un autre petit questionnaire sur l'Union sur le Parlement européen pour savoir comment ça marche. Donc on vous rappelle maintenant. Voilà, je vais rapidement vous donner les réponses. J'ai juste quelques petites infos pour savoir quand, à savoir c'était quand et comment on vote, comment on a voté. On a voté, bien sûr, le système de suffrage universel direct à un seul tour, selon les règles de la proportionnelle. Ça veut dire que du 6 au 9 juin, dans tous les États membres, en France, on a voté traditionnellement le dimanche. Donc la date était fixée au dimanche 9 juin. Chaque formation politique conduit une liste nationale avec 81 candidats. Les sièges seront répartis entre les listes réunissant plus de 5% des suffrages exprimés. Vous ne votez pas pour une personne, mais pour une liste entière. Très important. Tout ajout, rature, changement dans l'ordre des candidats annule votre bulletin. C'est ça qui est bien. À suivre dans quelques minutes, après la première partie des réponses pays capital, on viendra sur le rôle, qui est le rôle du député européen. Mais revenons à nos capitales. Donc, ma première liste de pays, c'est donc la Bulgarie, la Roumanie, Chypre, Danemark, Pays-Bas, Slovénie, Lettonie, Finlande, Grèce, Allemagne, Estonie, Italie, Lituanie et le Portugal. Et maintenant, c'est le moment de vous donner les réponses. Correction en rouge. On va voir si ça marche le rouge. J'ai des feutres tout neufs à côté. On va commencer par la Bulgarie. Alors, faut que, hop là, que je donne les bonnes réponses. Alors, Bulgarie, c'est une ville qui porte un joli nom. C'est Sofia. Sofia pour la Bulgarie. Pour la Roumanie, c'est Bucarest. Bucarest pour la Roumanie. Chypre. On a quoi? On a la Chypre. Ah oui, Chypre. C'est Nicosie. La magnifique ville de Nicosie. Danemark. Alors, je vérifie l'orthographe. Copenhague. Copenhague. Pays-Bas. Avec bien sûr la chanson de Jacques Brel sur le port d'Amsterdam, il y a les marins. Voilà, Amsterdam, évidemment. Amsterdam, alors la Slovénie, c'est bien sûr le fameux nom qui est un peu dur à prononcer, le L, le J, le U, le B, le L, le J, le A, le N, le A, ça se prononce Ljubljana. Enfin bref, laisse tomber. La Lettonie, c'est tout simple, c'est Riga. Voilà, Riga. La Finlande, c'est bien sûr Helsinki, voilà, c'est ça. Helsinki, la Grèce évidemment très connue avec Nikos et bien sûr les Jeux Olympiques d'Athènes, là où est partie plus ou moins la flamme olympique d'Athènes. L'Allemagne évidemment c'est Berlin, bien sûr le mur de Berlin.
L'Estonie, c'est Tallinn. T-A-2-L-I-N. Italie, bien sûr, c'est le Colisée de Rome, avec le Vatican et tout ce qui s'ensuit. Rome. Voilà. Lituanie. Alors, Lituanie, c'est. Non, c'est ça, je ne l'ai pas remis. Alors, c'est Vilnius, ville. V-I-2-L. Ah non, un seul L. Ça, c'est un seul L. Un N, Vilne. Vilne, Vilne, Nius. Voilà, Vilnius et bien sûr pour le Portugal, Lisbonne. Évidemment, pour ceux qui aiment bien la série La Casa des Papel, évidemment. Voilà, parce que La Casa des Papel, bien sûr, vous avez Berlin, vous avez Lisbonne, vous avez Helsinki, vous avez comme personnage, vous avez. Oh, il n'y a pas beaucoup dans cette liste qu'on retrouve dans la Casa des Papel, évidemment. Je crois qu'il n'y est même plus sur Netflix, cette série. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste comme pays à découvrir? Deuxième partie des pays. La deuxième partie. Alors, on en est au Portugal. Ah. La Slovaquie. La Slovaquie. L'Espagne. La Belgique. La